Moi, ce qui m'importe, c'est la victoire du pays. Ce qui m'importe, c'est le mieux, c'est le pays. Donc, que je joue, que je joue pas, c'est la même chose. Bien sûr, on aurait aimé gagner, mais on est quand même fiers de ce parcours. On retient qu'on a fait un parcours magnifique avec des joueurs qui se sont impliqués à 150%, qui ont montré la qualité. Je pense que tous les gens ont vu que tout joueur qui portait le maillot du Congo le défendait avec ferveur. Voilà, après on est perfectible, bien sûr qu'il y a des domaines dans lesquels on doit s'améliorer, mais voilà, on est contents, ça nous a permis de montrer sur cette CAN le travail qui avait été fait depuis un an et demi. C'est une première étape, et puis maintenant il va falloir bien bilanter tout ça, et puis après mettre quelque chose en place pour être encore meilleur, mais ça c'est notre route, on ne change pas tout du jour au lendemain. Merci. Les regrets, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre ce but qui aurait fait la différence, ce but qu'on a tenté d'aller chercher. Voilà, les occasions on les a eues ce soir, on en a eu beaucoup. Maintenant on n'a pas eu la réussite qu'on voulait. Je pense à l'image de cette compétition où on a pêché dans ce domaine, on va dire, parce que défensivement on a été solide dans l'ensemble, on n'a pas pris beaucoup de buts, pardon. On a rarement été mis en danger à part sur les phases arrêtées et sur quelques matchs, mais sinon en globalité je pense que c'est cette finition, cette phase offensive où on a manqué de justesse, on a manqué du bon geste, on a peut-être manqué de lucidité, donc voilà, c'est ce qui nous échappe ce soir. Cette troisième place a été largement à notre portée, on espérait même mieux encore. On a su montrer sur le terrain notre domination aussi par rapport à cette équipe de l'Afrique du Sud. On n'a pas réussi à faire la différence avec ce but qui nous aurait fait énormément de bien. Maintenant, je pense que tout n'est pas à jeter dans cette CAN, loin de là. On a su montrer un visage auquel le grand public a su s'identifier. Et ça, c'est déjà une grande victoire pour nous, pour un retour à la compétition du pays qui s'était absenté durant la dernière CAN. Donc voilà, ça c'est déjà une grosse satisfaction. Maintenant, je pense que c'est une bonne base de...